C'était les pubs du JJDA. Hop là. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Steph avec plein d'œufs. Je sais pas, il y en a 3, il y en a 4, on verra bien. Gotkowski, j'espère que je l'ai bien dit. On l'applaudit très fort. Ah, t'as perdu quelque chose? Bah, j'aurais perdu mon micro, dis donc. Salut. Salut, ça va? Ouais, bien. Tu m'entends plus? Ah voilà, d'accord. Hop, bah voilà, je vais le mettre ça là. Marche. C'est bon, ça marche? Voilà. Ouais. Bon, Steph, on l'applaudit très fort. Ouais. Il y a combien d'œufs à ton nom, Steph? Il y en a 3. Il y en a 3, pourquoi? Ça fait chic, quoi, non? Oui, ça fait chic. Trois œufs, ouais, ça fait chic. F... Donc, alors, Steph, tu fais plein de choses. Toi, t'es un touche-à-tout, non? Ouais. On s'est rencontrés au siècle dernier. Tu faisais les lights de Récré à deux, en fait. Et voilà, tout à fait. T'as été le premier à m'éclairer avec Dorothée. C'est magnifique, hein? Fin 70? Ouais. Non, c'est plus. Début 80. 78. D'accord, ok. Bon, maintenant, tu fais plus du tout ça. Tu fais plein de trucs. T'as une boîte de prod qui s'appelle La Lune Rousse. Tout à fait, ouais. Et tu produis donc un album. Voilà, tout à fait. Qui s'appelle. De Serge Gainsbourg, expérience en français, hein, parce que. Oui, nous sommes en France. Remarqué qu'il y a, non, parce qu'il y a un accent sur le. C'est pas oui, comme c'est Jimi Hendrix Experience. Non, c'est Serge Gainsbourg, expérience. Ouais, alors, en quoi. Moi, j'ai bien aimé, ce sont donc des reprises de Serge Gainsbourg par un groupe. Alors, comment t'as eu cette idée? Pourquoi? Il n'y a pas quoi qui a eu l'idée. Hein, c'est une idée. C'est original quand même. C'est pour ça que je t'ai invité, Steph. La vérité, c'est que. La vérité, c'est quoi, Steph? La vérité, c'est qu'on l'a. T'étais pas séfarade, t'étais ashkenaz comme moi, Gotkowski. Parlant yiddish, je sais pas, mais la vérité. Non, mais je voulais. Non, mais l'étymologie de l'histoire. Alors, l'étymologie, oulala, c'est pour un télo, là. Bon, d'accord. Mais non, c'est qu'on est. On l'a monté. C'est sous-titré en yiddish, vous avez compris. On l'a monté en Jordanie, l'histoire. En Jordanie? Oui, tout à fait. Pour un juif? Bah ouais, écoute. Ouais, ah non, mais attends, on est allé en Israël après. Hein. Ah bon, c'est vrai. T'es allé voir la Terre Promise alors? Ouais, d'accord. Bon, j'ai pas eu le syndrome de Jérusalem, heureusement, parce que c'est un truc très particulier. Oui, c'est très particulier, mais ça, on l'expliquera après. Après, c'est la fraternité qu'on veut créer. C'est vrai qu'on était copains avec le directeur du centre culturel de Amman en Jordanie, qui cherchait un artiste emblématique, chanteur emblématique français. Gainsbourg, dans un pays anglo-saxon. Oui. Donc, Gainsbourg, qui a une résonance internationale, notamment, qui est, par rapport aux Anglais, et puis qui a toujours aimé tout ce qui est Londres, l'Angleterre. Ça tombait bien. Voilà. Ouais. On a trouvé un camarade qui s'appelle Brad Scott, qui est un chanteur anglais vivant en France, qui a composé, qui travaille déjà avec des artistes, d'autres musiciens. Qui a arrangé aussi l'histoire. Complètement. Ouais. Et puis, ils sont partis, ils ont répété tous ensemble. Et ils ont fait un répertoire qui est en anglais et en français sur Gainsbourg. Voilà. Donc, la sélection des chansons, c'est toi ou c'est eux? Non, c'est eux. Bah non, après, c'est les musiciens. T'es pour rien, en fait. Bah, moi, je suis un peu musicien, mais je participe pas. Tu joues du saxo, oui, pareil, je me suis laissé dire. Tout à fait. Il est là, ton saxo? Ben non, c'est vrai, j'aurais pu venir avec. Hein, ouais, mais il y a un truc, pourquoi ça rien du tout. Pourquoi c'est quoi ça, c'est punk, les punks, c'est fini là. On est plus en 77. Ouais, mais ça c'est. C'est plus les Sex Pistols, ça qui est dingue, c'est quoi ça? C'est punk en bâtiment, ça. Ah, punk en bâtiment, voilà, pourquoi tu as ça? C'est parce que tu sais, nous, les éclairagistes à l'époque, quand on accrochait les gélatines sur les projecteurs, on avait des pinces à linge. Alors, en souvenir de ça, parce qu'à chaque fois que je te vois, tu as ça accroché au rangé de ta veste. Non, mais parce qu'à un moment, on les accrochait, parce que tu sais que dans le spectacle, quand tu mets des pinces à linge, les éclairagistes et les machinaux, c'est les heures supplémentaires. Les producteurs n'aiment pas ça du tout. D'accord. Et nous, on en portait toujours pour accrocher les gélatines et puis pour les hors sup aussi. D'accord. Avec votre producteur qui s'appelait L'Emergie. William L'Emergie, Mr. Pac-Man. Voilà, tout à fait. Mr. Pac-Man. Il flippait qu'à chaque fois qu'on mettait plein de pinces à linge. Mais moi, j'ai gardé la pince à linge. Tu as gardé la pince à linge. Bon, alors, tu ne fais pas que ça, tu es aussi programmateur des Trois Baudets. Tout à fait. Alors, les Trois Baudets, c'est bizarre parce qu'à l'époque, c'était un cabaret un peu rive gauche, quoi. Non, c'est sur la rive droite. Rive droite, par une gauche. Rive droite, oui. C'est à Pigalle, Boulevard de Rochechouart, c'est ça? Non, c'est un cliché. Boulevard de Clichy, c'est pas grave. Bon, il y avait un côté chanson française un peu engagé avec la guitare sèche, non? Remarque, Gainsbourg a démarré. Gainsbourg a démarré aux Trois Baudets. Gainsbourg s'est fait connaître aux Trois Baudets. Il a démarré chez Milord Larsouille, où Jacques Canetti, qui était donc le programmateur et grand découvreur de talent de l'époque, est allé le chercher, l'a ramené aux Baudets. Bon, Gainsbourg adorait voir Boris Vian aux Trois Baudets. Voilà, il y avait quand même Boris Vian. Il allait très souvent. Alors maintenant, toi, comme tu as un peu une culture rock, un esprit rock, tu as un peu changé tout ça. J'ai toujours. Parce que moi, avant, dans mon passé, j'étais boucherie production, j'étais un garçon boucher dans le Pigalle. On a toujours le côté punk et le côté chanson française. Exact. De toute façon, je l'ai toujours eu, donc la chanson française, c'est quelque chose qui me parle, donc j'adore ça. Bien sûr. Voilà. Donc, alors, bon, après, on s'est calmé un peu, ça va, en vieillissant. Avant, tu te calmes. Alors, que programmes-tu? On va pas faire de pogo, là, si tu veux. Non. Alors, que programmes-tu aux Trois Baudets? De la chanson francophone. Francophone. Parce que c'est la mission des talents émergents de la chanson francophone.
Bah, du genre des gens pas super connus. Oui. Alors, dans les connus. Donc on va pas en parler alors. Mais si, il faut en parler. On a venu au Propodel alors à ce moment-là. On a programmé Nicolas Jules, Humbert Humbert, Charlotte, etc. D'accord. Et pas mal d'artistes comme ça. Et puis, on a fait des gens un petit peu plus connus, heureusement, parce que sinon, malheureusement, les jeunes artistes. Alors, quels sont les gens connus que tu as programmés? Alors, il y a eu Ariel Dombal qui était venu. Est-ce que tu connais Serge Rezvani? Pas Reggiani, Rezvani. Oui, il a fait un disque avec Elena Noguera. Voilà, qui avait écrit le tour. Non, je sais pas. Je teste ta culture. Oui. Mais bon. Oui, non, le tourbillon de la vie, il avait écrit la même. Oui, plein de tubes. Des chansons. Donc, j'ai la mémoire qui flanche. J'ai la mémoire qui flanche. Ah, t'as la mémoire qui flanche. Non, il avait, d'accord. Et non, mais donc, il y avait eu ce jour-là, il y avait eu Elena, il y avait eu Philippe Catherine. La sœur de Lio. Voilà, il y avait eu Alain Chamfort, il y avait eu, je disais, Ariel Dombal, Dany qui avait chanté du Red Vanille. C'est un lieu un peu tendance, ce Trois-Baudet. Ah oui, le 30 mars, il y a Moustaki qui vient. Alors, le 30 mars, au Trois-Baudet, Georges Moustaki. Il est encore vivant? Ouais. Bon, d'accord. Alors, le 30 mars, au Trois-Baudet, Georges Moustaki. Donc, j'adore. Tu me regardes, Georges. Oui, c'est ça. Donc, c'est sympa. Allez-y. Allez au Trois-Baudet. Bah, ouais, bien sûr. Il faut y aller. Il faut se précipiter. Complètement. Mais nous, on vous attend. On est, Ah, au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Bon, maintenant, tu as un rendez-vous, Steph. D'accord. Avec l'intervieweur masqué du JJDA. Ah bon? C'est un mec super sympa. D'accord. Il va arriver. Il est sympa, c'est sûr. Oui, il est sympa. Je vais te laisser avec lui, je reviendrai après. Ok, hein. Je reste là, c'est ça? Tu restes là et tu parles aux téléspectateurs, tu fais ce que tu veux. Tu chantes si tu veux, tu joues du sax. C'est dommage que j'aurais. Non, mais j'aurais dû emmener mon saxophone. Je pourrais dire que. J'ai aussi écrit un livre, mais je l'ai oublié. J'ai complètement. L'intervieweur masqué du JJDA. Steph? Ça me rappelle les Garçons Bouchers. À l'époque, on était. Les Garçons Bouchers. Quel était le chanteur, le nom du chanteur déjà? François Giladaro n'était pas chanteur des Garçons Bouchers. Il s'appelait Sapu. Il avait une cette Sapu, c'est pour ça que vous pensez à moi. Que Sapu. Voilà. Oui, je vous remercie, Steph. Bah, cochon, Sapu, je suis désolé. Bon, je pose quelques questions. Vas-y, allez-y. Blanche ou noire? Blanche, parce que ça dure un petit peu plus de temps. Noir, ça fait. Longue ou courte? Courte, parce que en général, c'est les meilleurs, mais pourquoi? Ouais. Sèche ou humide? Humide. Donc, blanche, courte et humide. Blanche, courte et humide, ça existe? Vous en avez rencontré? Non. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est bien ces questions-là. Oui. Devant ou derrière? Allez, derrière, faut y aller. Faut y aller, d'accord. Youpi! Allez, youpi. Chatte ou chienne? Chatte, bien sûr. C'est une évidence pour vous. À poil ou à plume? À poil, derrière, chatte, à plume, à poil, pardon. Donc une chatte à poil. Voilà, d'accord. Et derrière? Ouais. Et comment vous faites? À droite ou à gauche? Bon, à gauche plutôt, franchement. À gauche? Ouais, à gauche. Donc Martine ou Ségolène? Martine. Oui. Physiquement, vous préférez Martine, vous... Ah oui, bien sûr, ouais. Ah bon? Ouais. D'accord. Bizarre. Ouais. Moule ou frites? Moule ou frites? Ah, mais non, on dit dire frites moule, moule. Allez. Moule. Tango ou mambo? Tango. Par amour ou par pitié? Par amour. Debout ou couché? Debout. Pile ou face? Il y avait tout à l'heure déjà devant derrière. Alors, oui, mais pile ou face, c'est une autre question. Oh, pile alors, je sais pas. Dernière question, attention, Steph. Ouais, je suis concentré. Chèque en bois ou Shakespeare? Waouh, chèque en bois. Chèque en bois, vous avez déjà fait des chèques en bois. Non. Au revoir. Merci. Il n'y a pas la phrase, il n'y a pas la phrase avec le non. Non. Dommage. Il n'y a pas la phrase. Dommage. Au revoir. Non, mais vous restez là. Moi, je reste, Jackie. Oui. Vous restez là, vous regardez encore les téléspectateurs. Je préfère quand c'est Jackie qui pose des questions, c'est beaucoup plus. C'est moins salace, les questions de Jackie. Lui, il était un peu dur, ça, c'est-à-dire, je sais pas. Ça va, Steph? Oui, ça va mieux. Ça s'est bien passé avec l'intervieweur masqué du JJDA? Non, mais il pose des questions, c'est pas possible. Moi, j'étais super. Tu as bien répondu, j'ai entendu un peu. Là. Ouais, mais j'étais un peu gêné, quoi. Bon, viens avec moi. Ouais, d'accord. C'est bientôt la fin de l'émission. Un rituel. On appelle Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Très bien. Bon, c'est la 401e émission, donc ça fait 401 fois que j'appelle Nicolas Sarkozy. Vas-y. Alors attention. Normalement, ça devrait marcher parce que... Pourquoi tu le connais? Tu l'as rencontré? Non. Pas vraiment, non. je comptais sur toi pour le rencontrer aujourd'hui. Je crois que t'es mal barré, là. Au téléphone. Oui. Là, je n'ai même pas la tonalité qui me permet de joindre le palais de l'Élysée. Ah, d'accord. Eh oui, donc ça va pas le faire. Comment ça se fait qu'on n'a pas la...
Ah, alors Florian, ça sonne. Appuyez sur le bouton. Oui, je... C'est un fax. Ah, c'est le fax. Ah, c'est le fax. C'est le fax du palais de l'Élysée. On peut pas lui envoyer un fax à la place. Oui, mais on va lui envoyer un fax à Nicolas. Voilà, bon, bah, écoute, bah, je rappellerai. Oh, bah, t'as vite allumé le micro, je rappellerai lundi, non. Ok, ouais. C'est élégant, ça, non. Hop. Bon, c'est pas très classe. Noir sur. C'est pas mal. Donc, l'émission est terminée. Très bien. Hein, écoute, c'est voilà. Sympa. Donc, je rappelle ton actualité. Hein, voilà, mon actualité. Ouais, je suis là pour ça. Un album, The Serge Gainsbourg Experience. Et concert aux Trois Baudets le 5 février. Ah oui, on a oublié de le dire. Et concert au Divan du Monde le 9 mars. Bon, alors ça, c'est important. Si vous voulez voir The Serge Gainsbourg Experience, rendez-vous le 5 février aux Trois Baudets, boulevard de... 64 boulevard Clichy, dans le 18e arrondissement. Voilà, les Trois Baudets. Et ensuite, le 13 février... Le 9 mars. Le 9 mars au Divan du Monde, dans le 18e, René Martyr. Voilà, René Martyr, le 9 mars, allez-y. Regardez The Serge Gainsbourg Experience. C'était le programmateur des Trois Baudets. Voilà. Mon ancien éclairagiste, non ? Tout à fait. Je t'ai éclairé. Tu m'as éclairé, ouais. Merci. T'es réussi ou non ? Oui, bah alors goûte là, regarde. Ouais, regarde, hop. Bah dis au revoir, Steph. C'était Steph, il est super sympa. Allez, Shabbat Shalom. Dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bon week-end. Bon week-end. Alors, moi, je retrouve à lundi. Non, pas toi. Ah, pas moi. Ouais, moi, à lundi, 17h45, pour un nouveau JJDA. Tous, c'est bon week-end. Merci, Steph. Merci à toi. Alors, rendez-vous le 5 février au 3 Baudets.